Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo ciné rétro, les vidéos où l'on rend hommage aux grands films de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, le film d'animation de chez Disney, La Belle et la Bête, qui fête cette année ses 30 ans. La Belle et la Bête, je pense que c'est assez évocateur pour vous tous. Toute personne qui tomberait sur cette vidéo ou vous-même les abonnés avoir vu ce film au moins une fois dans votre vie, est fort à parier que beaucoup d'entre vous doivent encore avoir quelque part chez eux la cassette vidéo VHS ou même le DVD de ce merveilleux dessin animé. Que ce soit avis du grand public, de la presse spécialisée ou même en parlant finance, le film est un succès colossal, mais pour moi, bien plus que cela. En effet, je pense personnellement qu'il y a carrément un avant et un après Disney depuis le passage de ce dessin animé sur nos écrans en 1991. On va commencer par l'inspiration. Ben oui, l'inspiration, comme d'habitude chez Disney et encore plus à cette époque-là, il y a 30 ans, Disney s'est inspiré d'un conte, ici d'un très vieux conte, un conte qui date de 1757, écrit par Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, mais aussi d'un film, celui de Jean Cocteau du même nom, donc La Belle et la Bête. En effet, le film de Disney n'a pas été la première adaptation cinéma du thème. Il y en a eu jusque 30 avant le dessin animé. C'est passé par tous les formats, du cinéma muet au cinéma en noir et blanc, en couleur, bien entendu également le théâtre, mais je préfère me concentrer ici uniquement et exclusivement sur le seul film de La Belle et la Bête que j'ai vu avant le dessin animé, c'est-à-dire celui de Jean Cocteau, tourné en 1946, avec pour rôle principal dans La Bête, Jean Marais. Voilà, aussi fou que ça puisse paraître, je dis aussi fou que ça puisse paraître, vous comprendrez pourquoi en voyant tout de suite la bande-annonce, mais moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'en ai carrément eu la trouille, regardez plutôt. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Voilà, forcément, quand on voit cette bande-annonce, aujourd'hui, ça me fait vraiment plus trouiller du tout. Mais bon, j'avais 6-7 ans, j'ai vu ce film dans un téléviseur en noir et blanc. Ben, pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent cette vidéo, un téléviseur en noir et blanc, ça ressemblait à ça. Vous voyez l'image à côté, c'était un...
grand rectangle de 40-50 cm, ça dépendait des budgets des familles, ça pesait 200 kg bien tassé, j'exagère à peine, avec un énorme écran bombé de l'avant. Je peux vous assurer que cet écran, même éteint, faisait vachement flipper. Enfin, tout cela pour dire que c'est dans ces circonstances-là que j'ai fait, moi, personnellement, la connaissance de La Belle et la Bête, et puis plus rien. Plus rien du tout, ni au cinéma, ni à la télévision, ni même à l'école. Je n'ai plus jamais entendu parler de La Belle et la Bête jusqu'en 1991 et l'arrivée du dessin animé sur nos grands écrans. Je dois dire que c'est un succès colossal d'entrée de jeu. Le film est beau. Ben oui, c'est le début du numérique avec cette fameuse scène où les deux, La Belle et la Bête, dansent. Tout le monde a en mémoire, et vous voyez les images ici, ce que je veux dire. Cette fameuse salle dans le château formidable avec ce plafond. C'était le début du numérique. Ça plaît énormément. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Vous me direz, c'est normal que ça plaise aux enfants, mais attention, pas que, ça plaît aussi aux grands enfants, c'est-à-dire les ados dont je faisais partie à l'époque, j'en suis témoin. Les ados s'en viennent à prendre des tickets de cinéma et de payer un ticket pour aller voir un dessin animé de Walt Disney. Aujourd'hui, c'est sans doute normal, mais à l'époque, c'est assez novateur que les jeunes aillent en bande avec leurs petits amis de l'époque voir un film de Walt Disney. C'était normalement réservé aux mamans qui allaient main dans la main avec leurs petits-enfants. Donc, c'est tout nouveau, ça marche, et j'ai envie de dire que ça fait du bien à Disney. Disney en a bien besoin, puisqu'à l'époque, je ne vais pas dire que Disney traverse le désert, mais traîne plutôt la patte. Quand on voit aujourd'hui, en 2021, ben Disney, c'est un peu la banque hollywoodienne. Façon Monopoly, ils achètent tout ce qu'ils veulent sur ce qu'ils tombent. Et ce n'était pas le cas en 1991. En 1991, comme je vous dis, niveau parution de films, catalogue, ce n'est pas vraiment ça. Pour vous donner une petite idée, il faut remonter à 1977, c'est-à-dire à presque 15 ans, pour voir un dernier grand classique de Disney, digne de ce nom, avec Les Aventures de Bernard et Bianca. À partir de Bernard et Bianca jusqu'en 1991, beaucoup de déceptions et quelques éclaircies quand même. Quand je parle de déceptions, forcément, vous avez, j'ai quelques titres en mémoire. Basile Détective Privé, ça ne marche pas des masses. Oliver et compagnie, encore moins. Taram et le chaudron magique, là on frôle carrément la catastrophe. Disney est tout à fait en manque d'inspiration et commence à s'imaginer pour la première fois de son histoire une suite, la suite du dernier film en date qui leur avait rapporté un grand succès, donc Bernard et Bianca, cette fois-ci au pays des kangourous. C'est très beau visuellement, le dessin animé est assez agréable à voir, mais ce n'est pas encore ce qu'on attend de Disney. Le succès colossal n'est toujours pas là. Ils essayent aussi avec quelques films. Tron marche moyennement, et avec Le Trou Noir, qui porte malheureusement bien son nom à ce moment-là, Disney rentre, rendez-vous compte, même dans le rouge financier. Il y a heureusement pour eux quelques éclaircies, quelques belles éclaircies. À cette époque-là, notamment avec Peter et Elliot le dragon, Rox et Rookie est vachement sympa, sans plus. Il y a Roger Rabbit, et puis surtout, enfin, une très belle éclaircie, La Petite Sirène, avec lequel Disney remonte enfin à la surface. Plus qu'une éclaircie, je veux dire même un petit succès, puisque ce dessin animé remportera quand même à l'arrivée deux Oscars juste avant l'année d'après, l'arrivée de La Belle et la Bête en 1991. Et là, c'est évidemment le raz-de-marée, les récompenses, ce que cela a engendré. On parle de tout ça juste derrière, mais avant ça, replonger encore une fois sur ce qu'était ce dessin animé à travers sa bande-annonce.
Y a quelqu'un ? Où ? Histoire éternelle. Disney vous invite à redécouvrir au cinéma une histoire intemporelle. La Belle et la Bête. Pour une expérience inoubliable en 3D. Toujours musique. Musique. Bonsoir. C'est là. Ce grand classique de Disney revient sur grand écran en exclusivité en 3D pour un temps limité. Elle ne connaît pas sa chance. C'est extraordinaire. La Belle et la Bête en 3D. Dis donc, drôlement fort, moi. Voilà, c'est la fête, c'est le cas de le dire, c'est la fête en parlant tout d'abord finance. Ben ouais, pour un budget de 25 millions de dollars, le dessin animé en rapporte 332 millions, c'est-à-dire plus de 13 fois son budget. Superbe récompense également pour les Golden Globes. Il reçoit le Golden Globe de la meilleure comédie musicale. Il remporte également 2 Oscars, mais surtout un titre honorifique incroyable pour la première fois de l'histoire de la cérémonie des Oscars. Un film d'animation est nominé à être meilleur film de l'année. Il faut savoir qu'à l'époque, les films d'animation n'étaient pas encore récompensés comme tels. Ça ne viendra qu'en 2002. Donc l'histoire dira aussi que La Belle et la Bête a été le premier film nominé à un Oscar comme étant le meilleur film, pour la petite histoire, battu sur le fil par l'extraordinaire Silence des agneaux, avec notamment Anthony Hopkins. Avec un tel palmarès, tout le monde s'arrache le thème de La Belle et la Bête, notamment Broadway, qui invente, qui imagine une énorme comédie musicale. Une comédie musicale qui a une petite histoire, puisque figurez-vous que Broadway s'est inspiré de cette comédie musicale à travers une petite pièce de théâtre que j'ai vue de mes yeux. C'est une petite pièce de théâtre qui avait lieu au parc de Disneyland Paris, qui s'appelait encore à l'époque Euro Disney. Une petite pièce de théâtre qui passait tous les jours, 2-3 fois par jour, je pense, si je ne me trompe pas. Ça durait en moyenne 25 minutes à 30 minutes. Et je me souviens avoir été assez agréablement surpris en voyant cette pièce. Puisque moi-même et toute ma famille avait vraiment adoré. Après, ça ne m'étonne pas que Broadway en ait fait une superbe comédie musicale qui durera d'ailleurs quelques années aux États-Unis. Il y aura également des suites de La Belle et la Bête, une deuxième partie vachement sympa, le Noël de La Belle et la Bête. Que vous voyez ici sur le côté, c'est un film qui n'est pas passé au cinéma. Je ne dirais pas que c'est un court-métrage parce qu'il fait quand même ses 60 minutes, mais bon, il est passé directement en vidéo. C'est une agréable surprise, je trouve que le synopsis est bien foutu, et je vous invite même à découvrir sa petite bande-annonce. Nous sommes en train d'organiser la plus grande fête de Noël que nous ayons jamais eue. Il y a quelque chose dans l'air. C'est peut-être l'amour. Histoire de sirène, de très grands rois, de trésors perdus. Ils sont magnifiques. Ensuite,
Il y aura un troisième volet de La Belle et la Bête, mais celui-là, malheureusement, je ne peux pas vous en dire autant, puisque je ne l'ai même pas et je ne l'ai jamais vu. Andrés, derrière sa caméra, me fait signe que lui non plus ne l'a jamais vu. C'est pas très bon signe. La Belle et la Bête reviendra par après au cinéma, presque 10 ans plus tard, même un peu plus de 10 ans plus tard, puisqu'en 2002, elle revient avec une version longue. Une version longue de quelques scènes supplémentaires, dont 2 thèmes musicaux. Un dont je me souviens, Être humain à nouveau. Un film remasterisé qui sera présenté ni plus ni moins dans les salles de cinéma, carrément qu'en IMAX. Et puis, il repassera une dernière fois au cinéma en 2012, avec l'effet de mode à l'époque 3D. Lui aussi, La Belle et la Bête, aura droit à son lifting 3D pour... l'occasion. Il y aura bien plus tard, quelques années plus tard, la version live de chez Disney avec Emma Watson. Mais bon, ça, c'est déjà une autre histoire. Enfin, petite parenthèse, ce film-là en 3D, la fameuse version live du film de La Belle et la Bête, qui pour moi reste quand même une référence en 3D. C'est vraiment magnifique à voir. Donc voilà, ça j'ai envie de vous dire que c'est l'avant Disney jusqu'à la sortie de ce merveilleux dessin animé sur les écrans. Et puis il y a l'après Disney. L'après Disney, ben vous le connaissez, pour sortir d'un tel succès, il fallait vraiment trouver quelque chose de lourd juste derrière. Et c'est ce qu'ils ont trouvé un an plus tard avec Aladdin en 1992, et puis surtout Disney touchera les étoiles quelques années plus tard avec le Roi Lion, qui lui sera couronné et est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand Disney de tous les temps. La suite, ben vous la connaissez, hein, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, Mulan, les studios Pixar qui naissent avec Toy Story, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Le Monde de Nemo plus tard, Le Pirate des Caraïbes en film, et même, qui l'aurait dit il y a 30 ans, le grand Star Wars chez Disney. Quand je vous disais qu'il y avait un avant et un après, je ne pensais pas me tromper. Et puis, pour finir, il y a l'héritage que ce dessin animé m'a laissé. Ici, sur la table, ben, il y a à peu près tout ce que je vous ai raconté. Donc, que je ne me trompe pas, la version cinéma de La Belle et la Bête, la version intégrale rallongée, le fameux Noël de La Belle et la Bête, la deuxième partie, la version live de chez Disney. Donc j'insiste, franchement, c'est un régal pour les yeux. Aujourd'hui, le format n'est quasiment plus, mais si vous êtes équipé pour, n'hésitez pas. C'est vraiment quasiment une référence superbe. Et puis, c'est quasiment scène pour scène le même que le film d'animation. Et puis, il y a deux objets qui feront, justement, en parlant d'objets, l'objet d'une deuxième vidéo qui viendra juste derrière, d'un living room spécial. Le couple, La Belle et la Bête et Lumière, qui, si la magie opère, se mettront à danser et peut-être même à s'allumer devant l'objectif de chez Andrés. Voilà, pour conclure cette vidéo, dire aussi que l'histoire dira que ce dessin animé était le 30e film d'animation, les grands classiques d'animation de chez Disney. C'était il y a 30 ans déjà, que le temps passe vite. Voilà, j'espère que cette belle histoire aussi vous a plu. Si tel est le cas, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Instagram. Abonnez-vous, continuez à vous abonner comme vous le faites toutes les semaines. Activez la cloche, elle sonnera très vite pour la suite de cette vidéo avec un living room spécial La Belle et la Bête. Spécial parce que pour une fois, je présenterai 2 pièces. À très bientôt. Salut à tous. Ciao. Conte de toujours.
des siècles passés, de cœurs étrangers que tout a changé, découvre l'amour. Et le temps s'arrête, figé de bonheur, pétrifiant de peur, deux âmes en fleurs, la belle et la différent et pourtant pareil. Quand le cœur s'éveille aux couleurs vermeilles d'un soleil naissant. Une fois la belle et la belle.